Il y a déjà un an que le Club des Ambassadeurs existe ici à Toulouse et j'étais vraiment heureux d'être sollicité comme parrain pour cette aventure. Pour moi, en tant que directeur du Ballet du Capitole, c'est un honneur, un privilège de se dire que, à travers ma position et je dirais tous ceux qui sont avec moi, le Théâtre du Capitole bien entendu, et le Ballet du Capitole, de pouvoir essayer d'être une locomotive voilà, pour cette belle ville de Toulouse. Et je dirais que bien sûr c'est une histoire qui est locale, mais qui est régionale, qui est nationale, qui est internationale. Et je le lie évidemment à ce qui est ma grande passion et je dirais ma grande mission, mon enthousiasme, c'est la danse tout simplement. Et la danse, bien sûr, c'est une histoire intime, mais c'est aussi une histoire commune que l'on partage ensemble. Et je crois que la ville de Toulouse, ici, prouve véritablement quelle est sa bienveillance, sa considération aussi au Théâtre du Capitole, avec l'opéra, mais aussi avec le ballet. Et nous sommes des ambassadeurs, je dirais, pour la ville de Toulouse, avec tous ces danseurs qui apprennent, je dirais des pas, parce que nous sommes là pour essayer de faire évoluer, je dirais, tous ces danseurs du Ballet du Capitole qui sont de 14 nationalités. Mais 14 nationalités, c'est-à-dire qu'on a véritablement, je dirais, des civilisations, des mentalités, des cultures, des écoles de danse qui sont différentes. Et ils viennent ici à Toulouse parce qu'ils y ont trouvé intérêt, véritablement, avec le Ballet du Capitole, au sein du Théâtre du Capitole. Et pour moi, ça, c'est une fierté, c'est un honneur. Et c'est à ma façon de directeur de me dire qu'il faut pouvoir rendre pour le public, pour ceux qui nous regardent véritablement, voilà toutes ces, je dirais, toutes ces couleurs, toutes ces différences voilà, de culture, mais qui sont à partir de Toulouse, cette programmation et cette identité finalement que devient le Ballet du Capitole. Et au-delà de ça, il y a aussi la volonté d'avoir une envergure qui est plus que nationale, qui est internationale. Prochainement, nous partons pour le Brésil. Nous avons la joie aussi que l'Orchestre National du Capitole soit allé en Amérique latine. C'est ça aussi, être ambassadeur, finalement. C'est pouvoir rayonner au-delà de la France, au-delà de Toulouse, pour dire que voilà, nous existons avec la danse, mais nous venons de quelque part. Nous sommes Toulousains. Et moi, je suis ravi que pour la première fois de son histoire, le Ballet du Capitole a pu faire des représentations dans un grand théâtre qui est celui des Théâtres des Champs-Élysées. Donc là, c'est aussi une démonstration voilà, de ce nouvel élan, sans doute, de ce nouveau souffle pour le Ballet du Capitole et qui fait véritablement rayonner la ville de Toulouse. Ce qui est formidable, finalement, c'est toujours voilà, de rencontrer l'autre. Et il est vrai que dans le club, j'ai rencontré certains directeurs, par exemple, de CHU ou pharmaceutiques, ou tout d'un coup, d'autres qui travaillent dans des formes, par exemple, numériques, dans des univers comme cela. Et je pense que dans la vie, tout est interrelié. Si on a envie, s'il y a question simplement d'un désir, on peut se retrouver quelque part, ensemble.